Cicéron. Un digne fils à Conolinga. Partagez, mes amis. Moi, je veux parler. Je ne veux pas qu'on dure. Je ne veux pas qu'on dure sur cette vidéo. Parce que ce qui se passe là, certains prennent des autres pour des moukous. Moi, je vais vous dire que je suis loin d'être une femme bête. Je vous dis bien que je ne suis pas allée très loin à l'école. Cela va de soi. Mais me prendre pour une idiote, il faut y aller, quoi. Et me prendre pour une imbécile, c'est encore le level. Donc, quand vous faites vos choses sur les réseaux sociaux, sachez que il y en a qui ont le cerveau, qui réfléchissent, qui analysent, qui observent. Et la plupart du temps, c'est ce que je fais. Quand j'ai fait un post en disant que Compressor est une femme qui a du caractère, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Quand je vous ai dit que Compressor, c'est le genre de femme que quand elle a son ennemi, c'est son ennemi. Oui, parce que dans la vie, il faut vous méfier des gens qui prônent la paix. Oui, oui, oui. Dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui vous fait du mal et vient vite s'excuser là, il faut vous méfier de lui, de cette personne-là. C'est instinctif de l'être humain. Tu ne peux pas faire que tu me fais du mal, oui, pour tes intérêts personnels, du jour au lendemain, tu viens me demander une paix sans excuse. Avant de faire la paix, on demande d'abord pardon. Je suis époustouflée, je suis surprise de voir que dès qu'elle dit paix, tous ses ennemis accourent pour dire paix, paix. Elle vous a demandé pardon. Je vois, il faut lire les commentaires. Moi, je vois même dans certains commentaires où il y a ces gens-là qui disent qu'elle n'a jamais demandé pardon. Hein? Elle parle juste de paix, mais elle ne s'est jamais rabaissée pour demander pardon. Oui, c'est vrai. Alors, on veut la paix. Sur quelle base? Mafou Ntoufinga, bonsoir, ma soeur. On veut la paix sur quelle base? La paix quand on a fait du mal à quelqu'un, quand on a offensé quelqu'un, quand nos paroles ont dépassé l'entendement, on commence par le pardon. On dit, je te demande pardon, ma soeur, parce que j'ai dit ceci. On n'est même pas obligé de relater ce qu'on a eu à dire. On dit, je te demande pardon, ma soeur, parce que mes pensées, mes propos ont dépassé ma pensée. Flore n'a jamais demandé pardon à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Jules Dubois, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Flore n'a jamais demandé pardon à aucun protagoniste des réseaux sociaux à qui elle a fait du mal. Ça, c'est d'abord que... Il faut d'abord retenir ça. Parce qu'il ne faut pas juste parler pour parler, dire des choses pour dire la paix, oh, la paix, oh, la paix, oh. On peut dire ça maintenant. Elle est une businesswoman. Donc, pour elle, rien à foutre qu'elle vous demande pardon. Ce qui l'intéresse, c'est comment elle vient vers vous. Oui, promotrice événementielle. Merci beaucoup, Flore Joyce. Merci. Oui. Rien à foutre qu'elle vous demande pardon. Elle joue juste le jeu. Oh, la paix. Je vais faire. Voilà, voici. Hein. Quand il s'agissait d'Amot et de sa femme. Je vais faire la paix avec mon ex-père. Je vais faire la paix avec... Elle ne dit pas que je vais demander pardon à mon ex-père de l'avoir offensé, de l'avoir humilié. Lui, sa femme et ses enfants. Non, 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 non. Ça, elle ne dit pas ça. Ça ne l'intéresse pas. Parce que elle assume. Elle assume. Ça veut dire qu'au fond, elle assume ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Elle assume ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. D'où le fait que le pardon, elle n'en a rien à foutre. Ce qu'elle veut, c'est la paix. Ça, c'est le genre qu'on appelle alors paix hypocrite. Parce que quelqu'un qui vient vous dire la paix, oh, la paix, oh, la paix, oh, tu m'as demandé pardon. Est-ce que tu m'as demandé ce que j'ai ressenti par rapport à tout le mal que tu m'as fait? Parce que avant de percer l'abcès, pour que le pus coule, il faut d'abord malaxer l'abcès. Et après appuyer. Et après, on parle de paix. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vos paix calculées, là. Les paix, parce que on a des intérêts derrière. Ma calcul, ma plan. Ça ne prend pas tout le monde. Que vous soyez même en paix, on s'en fiche.
mais royalement. Mais il faut que ce soit une paix véridique. Ce n'est pas une paix que, oh, je vais aller à la veillée du papa de René Star de Lille, comme il y aura tel, je m'en vais là-bas avec mes prospectus, mes flyers, je vais crier la paix, la paix, la paix. Mais voyons, ça c'est du business. C'est du business. Ça n'a rien à voir avec la paix. Ceux qui tombent dans le choking, c'est leur problème. Mais tout le monde ne peut pas tomber dans le choking. Parce qu'une fois qu'elle aura réussi son stratagème de paix pour remplir ses soirées, qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche de venir demain ou après-demain vous mettre plus bas que terre, vous insulter, vous dénigrer, comme elle sait si bien le faire? Qu'est-ce qui vous empêche? Donc tout le monde n'est pas dupe. Tout le monde n'est pas bête. C'est pour ça que je vous dis que, mieux encore, parce que ça c'est, quand on vous dit que les gens aiment l'argent, après une cap, après, quelqu'un ne peut pas se humilier pour de l'argent. Fleur préfère se faire humilier pour de l'argent. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'argent, elle n'a pas de personnalité. Zéro personnalité, celle qu'on appelle Fleur de Lille. Fleur de Lille, tu n'as pas de personnalité. Un fleuve, non? Il y a un fleuve qui s'appelle quoi? Il y a un fleuve qui s'appelle demander pardon. Oui, il y a un fleuve qui s'appelle demander pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'elle demande pardon et après, on fait la paix. Oui, ne venez pas nous vanter la paix. Ne venez pas nous vanter la paix. Vous voulez qu'on parle de paix. Une comme Elise, j'en ai rien à... Je vous dis que j'en ai rien à battre de que Fleur de Lille fasse la paix avec Lolo. Celle que je plains dans l'histoire là-même, c'est Lolo. Lolo, si tu savais comment je te plains. Si tu savais que comment je te plains. Tu as tellement désiré ça. Tu as tellement voulu être l'ami de Fleur de Lille. Mais sache une chose, Lolo. Je te regarde les yeux dans les yeux. Fleur de Lille ne pourra jamais, au grand jamais, être ton ami. Faites votre cinéma des réseaux sociaux. Mais ne t'attends pas à être l'ami de Fleur de Lille demain ou après-demain. Tu ne peux pas. C'est impossible. Parce qu'au fond de vos cœurs, tu la hais. Tu la hais foncièrement. Et je vais te dire une chose, que la paix que tu penses là, Lolo, tu sais les qui tiennent Fleur de Lille sur les réseaux sociaux. Tu sais les qui supportent Fleur de Lille. Je vais te faire une petite genèse. Tu te souviens, toi-même, Lolo, tu avais dit un jour que la majorité des abeilles de Fleur de Lille sont du pays. Ce n'est pas faux. On quitte derrière toi. Oh, ah. Je ne mâche pas mes mots. C'est à vérifier ce que j'ai dit. Vérifier ce que j'ai dit. La communauté Tchang, qui représente que Fleur de Lille est de c'est une Tchang, lui a fait comprendre que si tu fais ça à notre frère, ton frère du village, un Tchang comme toi, on quitte derrière ton dos. C'est comme ça et pas autrement. C'est pour ça que vous avez vu que quand Fleur avait voulu clasher Dieu Cyclone, après elle s'est retenue parce qu'on lui a fait des remontes. La remontada. On lui a menacé derrière. La communauté Tchang l'a menacé. Toi, Lolo, tu avais eu l'œil en disant que oh, la majorité des abeilles sont du pays, sont les villageois du village. C'est vrai. La majorité des gens qui supportent Fleur de Lille sont de la Menoua. Oui, 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 oui. Ce sont eux qui font Fleur de Lille. Après, il y a la communauté gay. Après, il y a la communauté des Tchikintchui et des Lélé. Mais avant qu'on arrive dans la communauté des Lélé et des Tchikintchui, il y a la communauté de la Menoua qui est derrière Fleur de Lille. Toi, Lolo, je t'informe ça pour que tu te mettes ça dans ton crâne, que tu penses que c'est Bami Power. Ça n'a rien à voir avec le Bami Power. Tu as insulté la communauté Tchang ici. Tu les as mis plus bas que terre. Tu les as traités de porc, de Tchangkunya, de tous les noms d'oiseaux et de Lélé. Dieu seul sait comment ces gens sont. Ils sont solidaires. Voilà les deux choses qui font de Fleur ce que Fleur est sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Voilà les deux choses qui font que Fleur est ce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Sa communauté est derrière elle. Comme ça, la Menoua, les Tchang sont derrière Fleur de Lille, que vous montez haut, que vous descendez. Et ils sont très solidaires. Hein. C'est une tribu, c'est une ethnie, enlevant que Bamileke, enlevant qu'ils sont Bami. C'est une tribu que, chez eux là, la solidarité les appelle papa et maman. Oui. Après, tu rajoutes à ça la communauté gay.
que Fleur de Lys représente valablement sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi, Lolo, comme tu penses que tu es quelque chose derrière, Fleur n'en a rien à foutre de ta gueule. Fleur n'en a rien à foutre de ta gueule. Si elle peut prendre ce qu'elle peut prendre derrière toi, elle prend propre. Sauf si toi-même tu es devenu chicken tu. Sauf si toi-même tu es devenu dans le monde là. Le monde des lélés et autres. Si tu es devenu dans le monde des lélés et autres, tant mieux. Parce que Fleur, c'est la reine. Tu seras abeille. Tu ne peux pas. Dans le monde là. Dans le monde des lélés. Tu ne peux pas détrôner Fleur de Lys. Donc enlève-toi l'idée que tu es en train de te faire dans la tête que oh, venez nous supporter. Parce que pour des critères de tradition et autres, elle ne va pas chuter dans le monde de l'éléisme. Elle ne peut pas chuter là-bas. Et là-bas, tu ne peux pas aller dire que tu vas affronter ou tu vas être égal à Fleur. Je suis désolé. Moi, je te dis la vérité. Est-ce que je te dis la vérité? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Les seuls gens qui ont failli mettre le genou de Fleur à terre ici, ce sont tous les Nkwandeng et les Lélé qui la supportent. Les qui l'ont poussé à venir avouer qu'elle était une tue. Les qui, ce sont eux qui l'ont dit que donc, toi tu veux faire semblant que tu ne manges pas une tote. Nous on te supporte. Donc nous on doit être mal vu. Donc nous on doit être mal vu. Toi tu dois être bien vu. Donc tu vas dire que tu ne chopes pas l'entente. On est derrière toi, on te supporte, on te met en haut. Tu vas dire que tu ne chopes pas l'entente. Tu vas sauf que aller dire dans mon dos vision que tu chopes l'entente. Tu vas sauf que dire dans mon dos vision que tu chopes l'entente. Elle était obligée. Parce que jusqu'à preuve du contraire, beaucoup d'entre nous avions des doutes. Que non, elle n'est pas, non, c'est le sabotage, elle n'est pas une mangeuse de gésier, non, c'est le sabotage, elle n'est pas une mangeuse de gésier. Elle était obligée, soit elle gagne, elle perdait tout. Tous les Promax là, allaient la tourner le dos, oh, ah. Donc elle est venue faire des vidéos, dans le noir, oh, oui, je m'en... Elle est venue ici avouer, et je vous dis que, moi je vous dis, que jusqu'à preuve du contraire, moi Élise, j'avais des doutes. Je vous jure que j'avais des doutes jusqu'à la dernière minute que Fleur n'était pas ça. J'avais des doutes jusqu'à que Fleur n'était pas en Kwandeng. Fleur n'était pas une mangeuse de Jésus. Fleur n'était pas. Mais quand elle a eu elle-même le courage de venir assumer. De venir assumer que comme vous voyez là, j'aime les autres, j'aime les femmes. Et puis quoi? Je vous dis que moi, je suis resté comme ça là. Je dis que, hey, oh, donc c'est vrai. Donc c'est vrai que la femme se chope. Donc c'est vrai qu'elle mange les pêtes blanches. Donc c'est vrai. Je vous jure que moi Élise. Au départ, elle voulait faire ça comme les blagues. Elle voulait nous embrouiller. Oh, je blague. Vous connaissez comment elle est là, non? Un peu zamzam, un genre là, un peu fofolle là. Non, je blague. Qui peut faire ça? Avec maman Anna, qu'elle. Oh, non. Elle a dit ça une fois, deux fois, trois fois dans le noir. Quand elle est partie caler, qu'elle. Vous voyez. C'était ici. Parce que moi, je parle de ce que j'ai entendu et que j'ai vu. Je ne parle pas pour parler ou que j'invente. Non. Je parle de ce que j'ai vu. Ce qui vient d'arriver là, c'est votre problème. Nous, on est là depuis que moi-même je suis arrivé. Je suis là, j'observe, je vois. J'écoute, j'enregistre. Je dis qu'on ne sait jamais, ça peut servir plus tard. Donc, toi, Lolo, cette paix t'apporte quoi? Ou tu es là, tu penses que tu fais la paix pour la communauté de Bami Power? Non, ma chérie. Ne te fais pas piéger dans le piège qu'on te prend là. Tu as compris? Parce que même un follower, tu n'auras plus. Je vais te dire, toi Lolo, je te regarde dans les yeux. La force de ta team, c'est l'inquoi. Oui. La force de ta team, Lolo, c'est l'inquoi. Le jour que tu fais l'erreur, que tu entres dans le piège qu'on te tend là, tout l'inquoi là, mieux ils vont venir me suivre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit.
Et ça ne chauffe pas. Mieux ils vont venir me suivre, ils vont dire que mieux on part suivre notre quoi, comme nous. Parce que le piège qui t'est. Que quoi, Nicole Ketcha, tu dis que quoi, Pipi a renié les bêtises. Je plains mes frères et mes soeurs bêtises qui suivent Pipi. Je suis en clash avec toi, je t'appelle Pipi propre. Et je sais prononcer Pipi là, tu sais. Donc, comme je ne suis pas en clash avec toi, ni avec personne d'ailleurs, je fais juste ma genèse. Je suis seulement en mode genèse. Donc, pour moi, ça va. Donc, je ne suis pas en clash avec toi. Je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas t'appeler Pipi et tout. Donc, je vais continuer ma genèse parce que Nicole Ketcha est là. Tu sais que Nicole Ketcha te mange à toutes les sauces. Elle te mange le matin. Elle te mange le midi. Elle te mange le soir. Avant même d'aller faire une... tu sais, le mbang de son homme, c'est toi qu'elle mange d'abord avant. Je veux la vidéo là. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Lolo, tu es tellement idiote. Lolo, tu es tellement idiote que tu n'as pas vu venir Flore. Tu n'as pas vu venir Flore. Lolo, attends. Attends. You go finish ici, devant nous, tous, ici, là. Parce que tu as oublié les qui t'ont fait. Oui, Jessica Ango, bonsoir. Tu as oublié les qui t'ont fait. Pendant que tous les autres, les Bamleke là, étaient derrière Flore de Lille, personne n'était derrière toi, Lolo. Ce sont les quoi? Oui. Ce sont les quoi qui étaient derrière toi. Écoutez, Flore n'a jamais fait ça. Toi, on t'a vu transpirer ici. Insulter les écrans. Insulter les nôtres. Mais on n'a jamais vu Flore. Si oui, elle fait avec un peu de système maniable pour que ça passe dans l'oreille des mougous. Mais ça ne fait pas d'elle une tribaliste. Ça ne fait pas d'elle qu'elle n'est pas tribaliste. Mais elle a une façon pour que ça passe bien dans l'oreille de ses supporters et ses supportrices. Mais toi, Lolo, l'agressivité de ça. Toi, Lolo, l'agressivité de ça. Il faut voir comment tu montres, comment tu détestes les autres. Mais tu oublies les qui t'ont fait. Les quoi ont fait de toi ce que tu es. L'inquoi, on fait de toi ce que tu es. Tu es là depuis belle lurette. Tu es là au même compte que Flore de Lille Compressor et tout le monde là. Tu es là depuis belle lurette. Tu es là. Aujourd'hui, tu veux à tout prix qu'on te mette en haut, comme ils ont mis Flore de Lille. Pourquoi ils ne te mettaient pas en haut avant? Moi, si j'avais fait une vidéo que y'a les mamies, y'a, aide aussi Lolo, non, c'est comment? Mais elle aussi, Bamleke, non, aide-le aussi. Mettez-le aussi en haut, non? Mettez-le aussi sur les affiches des soirées et autres. Invitez-le aussi, non? Invitez-le à soutenir. Toi, Lolo, tu vas être quoi? Je ne dis pas que tu ne fais pas ta paix. Mais je te dis qu'une paix où on t'utilise. Parce que moi, je te dis que ça, c'est abattre son ennemi en riant. Flo, t'as fini, Lolo. Flo, t'as fini. Te voilà aujourd'hui général des abeilles. Hein? Te voilà général des abeilles. Elle t'a bolé. Parce que ce que toi, tu as sorti de ta bouche, Flo aurait pu sortir ça de ta bouche, de sa bouche. Elle a fermé sa bouche. C'est toi qui a fait appel à la communauté. C'est toi qui as fait du tribalisme. C'est toi qui as fait du tribalisme. Est-ce que Flore a eu les mêmes propos que toi lors de ce direct-là? Jamais. Jamais. Flore de Lille n'a pas eu les mêmes propos que toi. Mais toi, tu es allé loin. Tu as fait ce que tu sais faire. Oh, les Bamlekés, je vous appelle. Tu appelles les qui? Comme vous êtes les Bamlekés, nous autres, nous ne sommes pas Bamlekés, donc nous ne sommes pas Camerounais. Nous ne sommes pas Camerounais. Vous me rabâchez souvent ici, matin, midi, soir. Élise, tu es tribaliste. Quand tu parles des Bami, ça veut dire que tu es tribaliste. Tu ne nous aimes pas. Vous faites la même chose que moi. Vous faites la même chose que moi. Et ça ne chauffe pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que je fais pareil. Mais les gens qui croient en vous, les gens qui vous adulent, les gens qui pensent que... Parce que ce que Flore de Lille fait, malgré qu'elle le fait pour ses intérêts, elle montre au moins qu'au fond d'elle,
Ce n'est pas une mauvaise personne. Peut-être que c'est le genre qui opère par derrière, mais devant, elle se joue les innocentes. Oui, parfois, ce genre de personnes aussi sont très, très, très dangereux. Mais toi, Lolo, tu viens montrer que tu es une King Kong. Que toi, ça sort comme ça sort. Et tu penses qu'on doit t'excuser, on doit passer ça. On doit faire passer ça. Pourquoi Flore n'a pas fait comme toi? Pourquoi Flore n'a pas fait comme toi le jour là dans la vidéo où toi tu as appelé la communauté? Tu as vu Flore a fait. Elle s'est même d'ailleurs retirée un peu quand tu faisais ça. Elle s'est retirée un peu. Tu es resté seul face à la caméra à prôner ton tribalisme. Oui. C'est ce que tu as fait. Comment tu peux demander au frère Bamileke d'aller abattre Amer Kamer? Il n'est pas Camerounais. Qui n'a pas insulté qui ici? Il n'est pas Camerounais, Lolo. Tu ne supportes pas les injures. Tu connais le nombre de personnes que tu as insultées ici sur les réseaux sociaux sans qu'ils ne t'ont rien fait. Qu'est-ce que les gens ont appelé leur communauté de venir te t'abattre ou quoi? Mais tu es normal? Laissons même un peu Flore de Lille. Elle sait ma calcul, ma plan. Elle gagne. Flore gagne 1000 fois derrière toi, Lolo. Et toi, en dehors de verser là, ils ont compris que tu es une haineuse cachée. Oui. Et on le voit de plus en plus. Contrairement à ta yamseur, qui fait ça avec subtilité, avec gnagnaménisme. Oui, c'est le français. Toi. On te voit, tu sors tes minkang yengon. Et tu penses que ça va passer comme ça, parce que tout le monde est une idiote sur les réseaux sociaux, on boit tout ce que vous nous sortez, on ne dit rien. Tu seras perdante dans l'histoire. Si je te dis ça. Tu seras perdante dans l'histoire. Tu as combattu ça depuis des années. Depuis que tu es là, tu disais à tes frères et sœurs que non, je ne suis pas comme vous. Laissez-moi. Moi, je suis pour tout le monde. Mais maintenant, on voit petit à petit ton vrai visage. Tu nous montres qui tu es. Mais oh, tu es le mal incarné. Et les élections ne sont pas encore là. Et on ne nous a même pas encore présenté les candidats. Chacun montre déjà qui il est. On ne nous a pas encore présenté les candidats pour 2025. Tu seras la plus perdante de cette histoire. L'autre vient faire. Tu pars pour le deux. Est-ce que tu sais que je devais venir là? Est-ce que tu sais que je devais venir à la veillée? J'ai appelé René Star. Je lui ai souhaité mes condoléances. Je lui ai dit, dis-moi un peu, la veillée, c'est pour quand? Elle m'a dit, la date était à 2 jours. J'ai dit, c'est un peu juste, parce que les billets de train, parfois, il faut les prendre en amont et tout. Non, c'était un peu juste. Donc, Inès, j'en profite pour te demander pardon de ne pas avoir été là. Et quand tu pars au pays, quand tu pars pour enterrer ton papa, je t'enverrai ma participation volontiers, comme si je venais là-bas, j'allais te faire mon enveloppe. Comme tu pars au pays pour enterrer ton papa, je t'enverrai ma participation. Je devais être là-bas. Mais quand j'ai entendu que tel va être là-bas, les gens que je n'ai pas envie de voir, je suis resté chez moi. Vous êtes parti là-bas pour aller assister votre sœur camerounaise. Même RIP, pendant la veillée là, même RIP, on n'a plus entendu. Même RIP, on n'a plus vu. C'était la paix bien haut, la paix bien haut, yo, la paix bien haut, la paix bien. Vous êtes parti au deuil. Vous êtes parti au deuil. Vous n'êtes pas parti là-bas pour vos histoires à la con. Vous n'êtes pas parti là-bas pour vos choses personnelles. Vous êtes parti au deuil. Votre compatriote René Star de Lille avait deuil. On a éteint le deuil. Aucune de vous n'a pris la parole devant Mondovision pour dire le pourquoi vous étiez chez René Star de Lille. Aucune. Vous dites que oui, notre soeur, on est venu pour t'assister, comme tu as perdu ton papa et tout. Nous faire un discours larmoyant. Une veillée qui se transforme en promotion de soirée. Quel est ce manque de respect là?
Et après, on nous a pompé l'air. La paix qui dérange, la paix dérange, la paix dérange, la paix dérange. Dérange les qui? C'est la première fois. Quand elles étaient à Yaoundé, parlons-en. On va parler de ça. Attendez. Parlons de ça. Je vous demande. Quand les filles là, quand Lolo et Valorianza et Fleur de Lille étaient au Cameroun, elles n'ont pas fait la paix. Là-bas, alors, c'était vraiment que c'était une paix qui accrochait. C'était une paix qui accrochait. Là-bas, on aurait dit que oui, ça, c'est la paix. Après tant d'années de guerre, d'insultes et autres, voilà une vraie paix. Le oui, oui, le truc que vous êtes la paix. Oh, je fais la paix, oh, je fais la paix. Non, 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 tout le monde n'est pas imbécile. Je vous dis que tout le monde n'est pas imbécile. Quand vous étiez à Yaoundé, c'était quelle paix? Ce n'était pas la paix? Hein? Qu'est-ce que vous nous avez servi là-bas? Ça a duré combien de temps? Où c'était la paix comme vous prenez? Enfin, ceux qui vous suivent, vous les prenez tellement pour des imbéciles que vous croyez que tout le monde est imbécile. Là-bas, ce n'était pas la paix. Je vous avais dit depuis que Fleur de Lille et Lolo causent très bien. Moi, Élise, je vous avais dit ça. Ce qu'ils étaient partis faire à Yaoundé, là, c'était juste genre. Parce que ce qui est sûr, si on parle de paix, je veux dire qu'on se demande pardon. Je t'ai fait du mal. Tu m'as fait du mal. On a poussé le bouchon très loin. Donc, essayons de faire table rase de ça et faisons la paix. Maman, les mêmes bisous que vous avez fait à Lille, là, ce ne sont pas les mêmes bisous que vous avez fait au Cameroun. Non, Fleur de Lille, je te donne le tchakap. Je te donne le tchakap. Oui. Je te donne le tchakap. En fait, ta meilleure paix, Fleur, ta meilleure paix, c'est celle que tu as fait avec Ngossa. Parce que ne pense pas que tu dandines comme une mouche tchétché. Tu sautilles comme une fille pubère. OP. C'est la paix de tes intérêts. Mais moi, je te donne le chapeau pour ça. Parce que toi, tu sais te servir de cet outil, oui, qu'on utilise aussi pour que ça te rapporte. Mais les autres, alors? Les autres, alors, c'est quoi? Gertrude Mvogo, Adela, Élise, la paix de Ngossa et Fleur n'était et n'a jamais été une vraie paix. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, Gertrude. C'est pas parce que maintenant, ça se gâte. C'est pas parce qu'on est en train de voir comment le mur de Berlin est en train de se fissurer. Non. Nous voyons très bien comment, vous et moi, nous voyons très bien comment le mur de Berlin est en train de se fissurer. Mais, avant, c'était tranquille. Avant, c'était tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'étaient pas d'accord avec cette paix-là. La paix est désormais tribalisée et sectorisée. À chacun de chercher sa stratégie. La toile. Retenez bien ce que je vous dis. Ici, là, dès qu'on nous donne, dès qu'on va nous verser les candidats, ça va être sagat. Chacun va trouver. Voilà. On prépare déjà les autres. On les prépare déjà, hein. Regardez bien ce qui s'est passé de la soi-disant paix de Lille là. Comme la paix du Cameroun n'était pas importante, la paix qu'ils ont fait à Lille dans le deuil de Truy là. Regardez les protagonistes qui ont fait, tous ceux qui ont fait les postes sur cette paix là, ce sont les qui? Quand on vient dire que la paix vous dérange, ça dérange les qui? Ce sont leurs gens qui ont fait les postes sur leur paix, c'est pas nous autres, nous on s'emballe les kawaii. C'est nous. Élise a fait un poste par rapport à la paix là. J'en parle maintenant parce que je veux moi dire ce que je pense que c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Les qui ont fait les postes
C'est entre eux, hein, qui ont fait les postes. Oui, on m'a appelé hier, on m'a dit que Flo et Lolo ont fait la paix, et j'ai dit que mes études... La paix qu'ils ont d'abord fait à Yaoundé, ce n'était pas la paix, mes frères et mes soeurs. Donc, c'est nouveau. Pour vous, c'est nouveau, là. C'est nouveau, ressort. Je n'arrive pas à t'appeler diamant bleu. Moi, ça ne passe pas, le diamant bleu, là. Pardon, je t'appelle compresseur, comme moi, j'étais toujours appelé. Beaucoup de gens n'ont pas compris la sortie de compresseur. La sortie de compresseur était que pourquoi Flore a interpellé, a pris l'enfant de Raymond Tchenga et s'est affiché avec celle qui les insulte matin, midi, soir. C'était ça. Ça n'avait rien à voir avec vos histoires de paix. Non, 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 non. La sortie de compresseur était explicite. Pourquoi est-ce que Flore a laissé que la petite footballeuse aille se filmer avec le démon qui les insulte tout le temps, chaque temps, qui dénigre son père, dénigre sa mère, les traite de tous les noms d'oiseaux et tout. C'était ça, c'est ce que moi j'ai compris. Ce n'était pas contre la paix, votre pseudo-paix, là. Disons quand même votre paix. Mais comme vous êtes tellement, la matière grise manque à beaucoup d'entre vous. Oui, la matière grise manque à beaucoup d'entre vous. Quand vous avez cru que la sortie de compresseur, c'était parce que qu'ils ont fait la paix. Rien à voir. Rien à voir. Mais comme je connais le spécimen de Flore, la preuve en est que la personne concernée était gênée d'être avec la petite là. Nous connaissons comment sont nos enfants qui grandissent en Europe. Elle a fait comprendre à Flore de Lille que non, tu es ma copine. Tu sais que Raymond Tchenga, c'est mon président. Et tu sais comment la personne-là a toujours dénigré, insulté, saboté, tout dit, tous les noms d'oiseaux sur mon président. Comment tu peux prendre son enfant? Tu peux t'afficher. La preuve en est que Raymond Tchenga a fait un poste pour ça que vraiment le diable marche avec la tête. Le diable ne marche pas plus avec les pieds. Mais suivez les choses comme il faut que vous suivez les choses. Suivez les choses comme vous devez suivre les choses. Faut pas juste voir les choses parce que ça vous... Non, elle est jalouse. La paix, la paix. Compresseur est tellement fier. Mais sur cette toile, même moi, je n'ai pas le caractère de compresseur. Je vous dis que même moi, Élise, je n'ai pas le caractère de compresseur. Compresseur est tellement fier. Que toi, son ami, tu peux même aller t'allier à Lucifer. Elle n'en a rien à foutre. Oui, tu peux aller t'allier à Lucifer, elle n'en a rien à foutre. C'est la seule que je vous dis que sur cette toile, elle a du charisme, une femme qui a du caractère. On a vu tous ses ennemis ici. Jamais elle a fait des pas en arrière. Jamais la différence entre, on dit que le level et le higher level. Oh, Eliso, il est quelle heure? Non, j'ai la tête sur les épaules, mais je vais vous dire que je suis le genre que je pardonne aussi vite. Voilà, je pardonne vite. Mes compresseurs, quand tu lui as fait du mal, un mal qu'il a vraiment broyé un genre là, elle aura du mal à te pardonner. Elle aura du mal. C'est vrai. Parce que parfois, on ne pardonne pas pour pardonner. 22h13, merci, mon administrateur, merci. Mon administrateur, il y a quelqu'un là qu'il faut que tu débloques. Elle m'a envoyé un message au hasard plusieurs fois déjà là. Je vais t'envoyer le nom de la personne, tu la débloques. Parce que moi, je ne sais pas comment on débloque les gens. C'est pour ça qu'on la traite d'ingrate et de haineuse. Vous savez que les gens marchent comme un troupeau de moutons. Mouton, mouton, mouton. Ils pensent que tout le monde doit être mouton. Tout le monde ne doit pas être mouton. Je suis désolée. Surtout pas au nom de la tribu. Je vais vous... À 23h, on arrête, non? Pardon, dès qu'il est 23h, là, dites-nous, on arrête.
Dites-nous, on arrête. Parce que après, ça va être long. Oh là là. Je me désaltère. Pendant que mes idées reviennent. Celle de Lolo. Celle de Lolo. On attend aussi de voir dans toutes les affiches de soirée ici comme Fleur de Lys. Comme c'est ce que tu as cru que... Je t'ai donné la genèse. Hein. Il faudra bien suivre ma vidéo au début. Je t'ai donné la genèse de les qui sont derrière Fleur de Lys. Si tu es intelligente, tu vas écouter. Parce que ce que moi je dis, c'est vrai. Je n'ai pas besoin... Je n'ai pas besoin de faire genre pour faire plaisir à qui que ce soit. J'en ai rien à foutre. Oui. C'est ça alors. Mais vous parlez souvent des Ivoiriens. Vous parlez souvent des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens ont un truc que vous n'avez pas. Les Ivoiriens préservent leur team. C'est-à-dire que tu ne blesses pas le team entre compresseur et... Fleur de Lys, hein. On a vu que ce que ça a donné. Il y avait des... Moi, je lisais les commentaires. Celle qui a mis la tête de mort sur mon truc, si je vais te bloquer. Comme c'est toi-même qui es venu mettre la tête de mort pour interpeller, pour m'interpeller. Administrateur, celle qui a mis... La personne qui a mis la tête de mort ici, sur mon truc, bloque-moi là, banni. Banni-moi la personne. On ne mélange pas de team. On a vu ce que ça a donné entre Flore et Compresseur. Il y a des gens, il y a certains gens qui supportent Flore qui disaient que jamais. Il y a des jamais, je ne peux aller supporter Compresseur. Il y a des gens chez Compresseur qui disaient que moi, Flore, jamais. On ne mélange pas de team, Lolo. Tu n'es pas stratège. La stratégie appelle Flore de Lys papa et maman. C'est une stratégie. Et Compresseur, je te préviens. Reste sur tes gardes. Tiens bon. Oui. Tiens très bon. Parce que le petit mélange les pseudo-pères là. C'est pour t'abattre, toi. Toi, Compresseur. Ce que tu vois là, c'est pour ta gueule. Vous voulez tuer Compresseur. Vous voulez gâter sa paix avec Fleur de Lys. Parce qu'elle a dit une graphie. Parce qu'elle a dit une graphie. Toi, Lolo, tu avais sorti ça. Elle a dit une graphie. Graphie, c'est une insulte. Quand on dit écran, c'est une insulte. On dit bêtise, c'est une insulte. On dit tout ce qu'on peut dire de nous, c'est une insulte. Toi, Lolo, tu t'es accaparé de cette partie-là pour mettre le tribalisme dedans. Je t'ai vu venir. Mais comme je n'avais pas le temps, j'allais te... Oh... J'allais te chou. Graphie. Graphie, c'est quoi? C'est le grand frère. Vous dites ça en anglais comme graphie. C'est ça. Oh, c'est devenu tribaliste. J'ai même vu des posts de certains d'entre vous là. Hein? Elle a osé dire graphie. Mais vous êtes un graphie. Vous êtes quoi? C'est ce que vous êtes. Vous êtes graphie. Comme nous autres, nous sommes quand eux, ils sont Bassa, ils sont Bakoko, ils sont Douala, ils sont tout ce que vous voulez. Pourquoi quand vous on prononce les noms de nos cultures, nous, on ne se fâche pas. Dès qu'on dit Babileke, maman, c'est ce que vous êtes. Je suis fier d'être Bami, assumé qu'on prononce que Babileke. On a vu celle de Lolo. Lolo, je t'ai dit qu'elle ne te clash pas. Hein. Ce n'est pas les clashs. Ce n'est pas les clashs. Pour l'instant, ce n'est pas les clashs. Parce que je vais te compresseur a dit une graphie. L'ingraphie. Vous avez pris ça comme une insulte. Mais finalement, on ne sait pas. Vous êtes alors qui? Vous êtes qui? Ibalo Lolo. Amen Dimazout. Elle dit qu'elle n'insulte pas. Ce n'est pas le clash. Je donne les conseils. Je parle de mon point de vue. Je parle de ce que j'ai à parler. Et puis après, vous faites de ça ce que vous voulez. Moi, j'ai dit, Flore, à qui profite la paix?
À qui profite la paix? La paix profite à Fleur de Lille. C'est elle qui est devenue. Et, mais je vais te dire une chose, Fleur. Hein. Je vais te dire une chose, Fleur. Continue dans ta lancée de paix que tu fais, tes paix que tu fais là pour tes intérêts. Le jour que tu reviens encore pour insulter les gens qui ne t'ont rien fait pour rien. Novembre est loin. Hein. Le 2 novembre, c'est loin. On est en avril. Avril n'est même pas encore commencé. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, dans 8 mois. Tu vas tenir, ma. Tu vas tenir 8 mois à faire la roupéro dans les soirées des gens, à faire la promotion comme tu fais là, dans les deuils, les soirées, les anniversaires, les baptêmes et tout. Mamie, tu vas tenir. Elle va se retrouver seule. Une paix qui se prépare. Oh, pauvre Lolo. Lolo, ma, Lolo, vraiment, Lolo, réfléchis même souvent un peu, Lolo. Donc, tu crois que ta yam de... ma calcul, ma plan. Ma calcul, ma plan. Fleur de Lille, je te donne le chapeau de la manipulation. Oui, 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 c'est toi qui as les réseaux. Oui, c'est toi qui sais manipuler tous ces gens-là. Je te donne le tchaka. Oui. C'est comme ça qu'on... N'est-ce pas, c'est comme ça qu'on fait chez vous. Quand quelqu'un a le commerce, c'est « Bonjour mon père, bonjour ma mère. Oh, je fais la paix. Oh, je... » Eh, Anna, Mougou. Eh, Anna. Eh, Flore. Wayem. Tu connais ton affaire, mamie. C'est comme ça et pas autrement. Écrase-moi, Lolo, là. Écrase-moi, Lolo. Écrase. Voilà, alors. Lolo, je vais encore te dire une chose, non. Voilà, le couple me sent qui te fait les appels de balle. Donc, toi, tu es vraiment... Tout le monde récupère. Dès que Flo laisse, on te récupère. J'ai vu. Le discours était limpide. Les appels de balle. On te connaissait avant. Est-ce qu'on te connaissait avant? Le couple me sent là. Panjansang et Manjansang. Ils te connaissaient avant. Quand ils étaient amis avec Compresseur et Fleur de Lille. On te connaissait. On te calculait même. Ce couple-là te calculait, Lolo. Il te calculait. Maintenant, aujourd'hui, te voilà. Comment c'est que tu es en guerre avec Compresseur? Compresseur est en guerre avec les méchants. On commence à t'apater. Ouni Souloua. L'arachide du deuil. Tout le monde vient prendre sa part. Ouni Soulou, Lolo. Va alors faire la... Va. Les gens qui ne te calculaient pas il y a quelque temps. Quand on vous dit que la personnalité, c'est quelque chose. Oh, oh non. Compresseur, voilà ton tchakap. La personnalité, c'est quelque chose. Quand Messan était avec Compresseur, était avec Fleur de Lille, Lolo Ongabeza, tu étais qui devant leurs yeux? Tu étais qui? Ah, la manipulation des réseaux sociaux est bien. Tu étais qui? Aujourd'hui, on t'affiche, tu es content. Tu veux aussi partir. Comme tu prends toujours les restes, est-ce que tu vois encore Fleur de Lille là-bas? Tu vas encore Fleur de Lille là-bas. Mais elle va partir comme celle aussi. C'est ma calcul. Je lui poste là. Ils ont fait ça à Fleur de Lille. Ils ont fait ça à Compresseur. Maintenant, tu es la lasse. Pourquoi? Parce que on va se servir de toi. On va aller faire ami-ami avec l'ennemi de Compresseur. Fleur. Vas-y. On te fait des appels de balle. Oui, tu prends toujours les restes de Fleur de Lille. Va, mamie. Reste, reste. Oui, c'est toi qui prends les restes de Fleur de Lille. Va montrer que c'est encore toi, une fois de plus, qui prend les restes de Fleur de Lille chez les maisons. Vas-y. Vas-y. Va prendre les restes. Ah non, je ne peux même pas voir que quelqu'un te dit comme ça. Là, tu fais vu et ignoré. Tu le laisses ramer. Tu le laisses ramper. Tu le laisses t'aduler. Tu ne peux pas faire ça. Il oublie le caractère. Il boit les langues ballon, Lolo. Il oublie le caractère. Il oublie le caractère. Il oublie le caractère. Aussi, il oublie le caractère. Aussi, il oublie le caractère.
Va apprendre à voir le caractère chez ta boss, ta Kimka. Oui, va apprendre à voir le caractère chez ta Kimka. Va apprendre à voir le caractère chez ta Kimka, là, voilà. Ngosa va t'apprendre comment une femme a du caractère. Nah. Je m'égare déjà. Je m'égare déjà. La café. Oh, attrapez-moi. Oh, je m'égare. Elle va aller devenir là-bas. Oh, elle va venir. Oui, mon grand frère me sang. Oh, oh, on t'a affiché là-bas. Est-ce que tu t'es encore affiché là-bas depuis Belle-Lurette? Tu as dit à qui te connaît ça encore là-bas? Qui te connaissait? Qui te connaissait encore là-bas? Hein? Mais pour te prendre, pour abattre compresseur, on t'utilise. Il y a le nom, on peut t'utiliser comme le Kleenex partout, comme ça. Il y a ma soeur. Et un peu de caractère. Dis donc. Hein? Retrousse-toi. La veste est bonne pour ta poitrine. Pardon, je vais au bichard. Voilà, vous allez partir utiliser le Waka. Je vous aime bien. Merci de m'avoir écouté jusqu'à cette heure. Je pense qu'il est tard. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai donné mon point de vue. Hein. Donc, celui qui n'est pas content, c'est son problème. Il faut rire, il faut pleurer, il faut tout faire. Parce que... Mais il faut voir les choses comme il faut les voir. 23h33. Oh, moi, on a duré. Ça fait plus d'une heure. On est ensemble.